Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Tazi et qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est sur Vanadia. Donc c'est vrai que j'ai jamais vraiment joué sur Vanadia, ah je bégaye, j'ai jamais vraiment fait de LP sur Vanadia. Donc je me suis lancé, je me suis dit bah écoute pourquoi pas, ça peut être assez drôle. Le serveur est franchement pas mal, les seuls petits points que j'aurais à critiquer ça serait l'arc punch. Franchement l'arc punch il pue la merde, et il pue vraiment la queue. Enfin, en fait il est bien et il pue la merde. Il est bien dans le sens où du coup les gens ils vont galérer à spunch et il y aura beaucoup moins de back, etc. Ça va être beaucoup plus facile de les chase. Et il est pas bien dans le sens où si tu dois back, et bah t'es baisé, tu vois. Genre je me suis déjà fait multi un petit peu. Et franchement, quand le punch il te punch 1 et que les mecs ça le punch 2, tu te fais vraiment enculer ta race, tu vois. Donc voilà. C'est mon petit coup de gueule. Ensuite pour ce qui est du PvP, bah écoutez c'est assez basique, assez potable, ça dépend un peu du moment, du joueur. Je trouve pas exceptionnel, mais franchement pour un modé ça peut passer. Je suis satisfait on va dire. Bon ensuite, je suis dans la Ourson pour cette version, donc voilà. Je pense que vous connaissez tous la Ourson. Je suis dans la base avec Trix, donc homme pute, je crois que c'est celui-là. J'espère qu'il n'y aura personne dans la base, sinon je vais me faire foudroyer l'anus. Ça faudrait éviter. Ah c'est bon. Bon c'est moi qui ai fait vite fait l'étage hein, mais il est très très laid. Hein. Très 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 laid. Hein. Comme vous pouvez voir il est tout petit. J'allais faire F3 pour dire je bug alors que j'ai les FPS en haut, mais bon. Ok donc ça déjà c'est pour la base. Ensuite, je vais vous montrer vite fait les farms. Je pense que vous allez kiffer. Hein. Dites-moi si c'est nous qui avons les plus grandes farms du serveur. Alors ça c'est les spawners, donc Blaze. Ici on a Pig Zombie, bah ils ont changé, c'est pas mal. Et là on a Skeleton. Ah, Taras, je suis vraiment pas doué. Ensuite ici, bah c'est un peu un endroit qui sert à rien. Franchement en bas, on s'en fout un peu. Ici, je vous déconseille de venir, sinon on vous baise vos darons avec les barrières. Alors est-ce que ce fils de pute de Hugues m'access? Ok, bah nique ta mère, roquette. Alors lui, allez hop, je vends, je m'en bats les couilles. Ceux qui sont en train d'AFK, je vous baise vos grandes races là. Hop, on va se faire un peu d'argent. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très 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 cheaté les farms. Hein. Donc je crois qu'ils en ont 4, 5 ou 6 jusqu'à la couche, je sais plus combien. C'est vrai que c'est cool, t'as dit tes vidéos, c'est très précis, hein. C'est génial. Ok, ensuite ici, on a les petits spawners à meumeux. Ah non, c'est les poulets. Putain, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des poulets, les gars? Bon, ça c'est des trucs à melon, je sais pas. Bon, je vous avoue que je m'en bats un peu la race aussi. Guettez le punch. Attends. Guettez comment il me punch 1 là. Après là je vais prendre le dégât de la fire resi, mais vous avez capté, ça pue la merde. Ça pue vraiment la merde. Ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Slash monnaie. Ouais, j'ai 98 000 de monnaie. C'est assez cool. Du coup grâce aux farms, grâce je sais même plus comment je fais de la monnaie. Ouais bah c'est les farms, mais j'ai vendu des trucs je crois. Donc voilà, ensuite il y avait vite fait la petite base au start. Donc on va aller voir ça. Voilà, donc il n'y a pas grand chose dedans. Les poulets là-bas. Moi j'avais mes petites épées de farm ici. Voilà. Là j'ai des livres. Je suis vraiment pas hyper riche là-dedans. Pour ce qui est de mon EC, il est pas fou non plus. J'ai un full vana, j'ai un casque mode vana. 5 pommes shit, des pommes d'or, du vana. Là j'ai des levels. J'ai ça et j'ai une multitool. Et aussi j'ai beaucoup de blocs d'or. J'en mets là et j'en ai je sais plus où. C'est utile pour faire les pommes shit et tout. Donc voilà les amis, moi je vais vous laisser, je vais essayer de faire une petite séquence PVP que je vais vous mettre. Je ne vous garantis absolument rien sur la qualité de la séquence PVP, hein. C'est une séquence PVP, donc si je tape un mob, hein, ça fait servir PVE si je tape un mob, mais je vais taper un pélo, même un no stuff, ça va faire une séquence PVP. Voilà les copains, moi je vous laisse, c'était Tazik, je vous dis des bisous de partout, salut.